drill and then you'll die. Tout le monde, c'est WaveZartan, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Glitch les amis sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui, je vais vous montrer le bug de la machine de mort en illimité. Tout simplement, il faudra, dans un premier temps, aller dans les paramètres, dans stockage, dans les données sauvegardées. Vous allez sur Black Ops 3 et vous allez les supprimer. Les amis, ne vous en faites pas, ça va supprimer tout simplement les paramètres de la manette, d'accord? Une fois que vous avez supprimé les paramètres de la manette de Black Ops 3, vous relancez le jeu sans la connexion internet. Très important, vous désactivez la connexion internet. Donc paramètres, réseau, on désactive et on relance le jeu. Une fois comme ceci, vous allez tomber comme moi les amis. Il faudra deux manettes obligatoirement pour faire le glitch. Donc là, je vous mettrai à l'écran première manette, deuxième manette pour que vous sachiez. Donc première manette, bon de toute façon là on peut pas ajouter deuxième. Donc on va accepter la luminosité, ok. Ici, dès qu'on est ici, on va s'apprêter. Dès qu'on va cliquer sur là, dès qu'on est le menu ici, on va reconnecter la connexion internet. Avant cela, on va baisser le son. Alors, dès qu'on a recoché la case internet, les amis, soyez attentifs. On va cliquer sur jouer en ligne deux fois. Et dès que le message connexion au service en ligne est activé, on fait rond et start. Je vais vous expliquer, c'est parti. Je recoche la case internet. Je fais croix pour me connecter en ligne. Je fais croix une fois, croix, rond et start. On patiente quelques secondes, donc on est toujours avec la manette une les amis. Soyez vraiment super attentifs les amis. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude c'est un glitch pas exclusif, mais c'est un glitch qu'il a depuis très très longtemps les amis. Il ne sera plus jamais patch, donc pour ceux qui débutent le jeu en 2022, c'est pour vous. Tout le monde peut le faire, vous allez pouvoir créer des variantes avec toutes les armes. Donc là on a eu un petit flash, regardez, on a appuyé pour commencer, on fait croix avec la manette 1. On patiente les amis, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir. Une fois connecté, regardez, on a le menu qui est bugué comme ceci à l'arrière, c'est parfait. Les amis, on va cliquer sur zombie avec toujours la manette 1, d'accord? Maintenant. Donc. Alors on patiente, une fois qu'on est ici, regardez, on a toujours le menu bugué. Il faudra impérativement avoir un gobblegum, prise fatale, prise murale, enfin prise fatale, ouais, piège fatal. Donc là, on va connecter la deuxième manette avec un compte secondaire ou alors un compte à un ami. Moi j'ai un compte à un ami, donc je peux le faire, c'est parti. On connecte le deuxième compte, on fait croix pour se connecter. Connexion au service en ligne. On fait croix, et là, regardez, bim, mon perso 2. Donc là, on est à la manette 2. Manette 2, on va cliquer sur partie privée, kit d'armes. On va aller dans secondaire, couteau de chasse, et on fait croix. On va passer sur la manette 1, on va faire croix une fois. La deuxième manette, on va faire 3 fois rond. 1, 2 et 3. Si vous avez ce menu-là bugué comme moi, c'est parfait. Maintenant, on va refaire une fois croix. Voilà, on va aller dans toujours avec la manette 2, d'accord. Donc là, secondaire, on reclique sur le couteau de chasse. Et là, manette 1, on va faire croix et rond. On fait croix, on fait rond. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a fini l'étape là. Donc là, c'est terminé. Maintenant, il va falloir créer les variantes. Donc, vous pouvez faire avec toutes les armes. Donc, Vesper, Kuda, VMP, Weevil, moi je vous conseille la VMP, la Kuda. Également en fusil d'assaut, on peut créer une manoir. Et bonus, on peut faire des secondaires qu'on ne peut jamais faire. Donc dans un premier temps, on va chercher la Wii. Donc là, la Sheva, on clique dessus, on fait créer variante. Le nom, on s'en moque, on fait GG. Et là, dans les mêmes ordres, ne mettez pas de lunettes, d'accord. On va dans accessoires. On va mettre poignée ergo en premier. Mettez bien dans l'ordre que je mets, d'accord. Silencieux en secondaire. En troisième, on va mettre balle blindée, les amis. En quatrième, on va mettre chargeur grande capacité. Et en cinquième, on va mettre tir rapide. Les amis, on sauvegarde. Là, on a notre classe qui est buggée, d'accord. C'est complètement glitché, c'est normal. On peut le faire avec toutes les armes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire
On peut le faire à la ken, par exemple, on crée une variante. GG. Manette 1, donc je vous explique, on est à la manette 1. Poignée ergo, pareil. Le silencieux. Mettez vraiment dans l'ordre que je mets, d'accord? Balle blindée. Charge à grande capacité. Et le fameux tir rapide. On peut aussi également ajouter un camouflage, peu importe le camouflage, on peut aussi y ajouter un camouflage si vous voulez. Voilà ma variante qui est glitchée. En mitraillette, on va passer à la Kuda, très important la Kuda et la VMP, faites-la et la Vesper également. Donc pareil accessoire, on va mettre poignée ergo, le silencieux en secondaire, balle blindée en troisième, en quatrième, on a le chargeur grande capacité et en dernier, le tir rapide. Retenez bien ces emplacements d'armes les amis, car si vous jamais vous avez le malheur de les mettre dans le mauvais ordre, le glitch ne pourra pas fonctionner. La VMP, on fait pareil. On fait ça, hop, confirmé, accessoire, poignée ergo, silencieux, balle blindée, chargeur grande capacité et le tir rapide. On sauvegarde, on va le faire avec toutes les armes, donc je vous accélère, donc. Voilà, une fois qu'on a fini les armes, les amis, on va tout simplement faire rond avec les deux manettes. Voilà, hop, rond. Et voilà, pour arriver dans le menu là. Avec la manette 2, on va faire rond, on va déconnecter le compte. Une fois arrivé ici, on va se retrouver en game, donc on peut lancer n'importe quelle map. Les amis, une fois avoir créé vos classes variantes d'armes buggées comme moi dans la vidéo, donc ça c'est parfait. Maintenant, on va passer à la manip suivante, le glitch, de la suite du glitch. Les amis, chose importante, vous voyez à l'écran, je n'ai pas le piège fatal. Alors, dans la vidéo, j'ai le piège fatal. C'est normal, car j'ai fait un glitch, en gros, sur la map Moon, j'ai lancé Moon dans la vidéo, et malheureusement, j'ai fail. Du coup, voilà. Donc, pourquoi je vous fais cette suite de vidéos pour que vous compreniez comment faire sur toutes les maps. Donc une fois avoir fait la première étape déjà, on va prendre prise murale en gros en gobblegum. Si jamais vous ne l'avez pas, vous devrez, alors ça va compliquer le glitch encore plus, et alors vous devrez faire le courant, activer le pack à punch, acheter l'arme glitchée au mur et l'améliorer, enfin bref. Donc là je vous montre le glitch, je vais vous montrer le meilleur spot avec la machine de mort en illimité sur Shinonuma. Les amis, avant tout cela, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir, les amis. Ce glitch est là depuis très longtemps. Profitez-en un maximum, les amis. Donc, on se retrouve sur la map Shinonuma, les amis. Donc, je vous accélère. Et on va se retrouver directement dans la partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire dans la game? Excusez-moi pour le chargement, il était assez long, mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on va spawn dans la game, chose importante, sachez-le, ne prenez pas la Shiva, d'accord? Car la Shiva a beaucoup de recul. Donc on est au spawn de Shinonuma, ne prenez pas la Shiva, ok? On va prendre l'AR K5, donc qui est ici sur le mur, pour vous faire une deuxième arme. Trois armes n'est pas obligatoire, car je vois beaucoup de youtubeurs, ils font avec l'accro des atouts, mais sachez que si vous avez l'accro des atouts, ça va encore un peu plus compliquer le glitch. Moi, je trouve que sans l'accro des atouts, on peut s'en sortir facilement. Donc, voyez, la machine à gobblegum, va falloir choper prise murale, d'accord? Donc là, si on a l'arme de voix, c'est pas grave. Alors, chose importante, si vous voyez que vous allez mourir avant cela, mettez pause et relancer le jeu, d'accord? Ça évitera que vous gaspillez des gobblegums si jamais vous n'en avez qu'un comme moi. Donc là, le but, ça va être de ne pas ouvrir cette porte-là, ne l'ouvrez surtout pas, ni celle du fond là-bas que vous voyez là-bas, ok? Car ça va faire en sorte que les zombies, eh ben, spawnent derrière vous et ça peut très vite vous faire chier, tout simplement. Voilà. Donc, on attend. La porte qu'on va simplement ouvrir, c'est tout simplement celle-ci, qui est ici. D'accord?
Alors je sais pas où est le zombie, ni ce qu'il fout, mais il n'a pas à être là. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir les amis. Donc là je vais vous accélérer jusqu'à ce qu'on ait assez de points tout simplement pour sortir de là. Là, on peut ouvrir. Une fois que vous avez ouvert ici comme moi, soit vous pouvez passer par ici, d'accord? Et en fait, la Couda va se situer pas loin. Regardez. Les portes à ne pas ouvrir, c'est celle-ci et celle-ci. La Couda, vous prenez le même chemin que moi, elle se situe vers la droite et vous allez ouvrir cette porte-là. Elle va se situer dans la maison qui est là-bas. Il faudra impérativement un piège fatal par terre que vous trouverez en tuant des zombies. Mais sachez que si vous avez un piège fatal et prise murale et que vous avez acheté votre arme avec, c'est parfait. Donc là on attend. On va tuer des zombies, essayer de se faire des points pour ouvrir les portes. Ne mourrez surtout pas les amis, je le répète encore une fois. Mais si vous mourrez, c'est terminé. Vous devrez tout recommencer. Donc là, une fois qu'on est là, on est tranquillement en train d'attendre les zombies. Ils arrivent d'ailleurs en masse. Donc essayez de choper le bubblegum prise murale assez vite. Voilà, donc là, hop, munitions max, parfait. Encore des munitions, parfait. Donc là, comme je vous l'ai dit, l'arme, la porte qu'on va ouvrir, c'est celle-ci. Et l'arme qu'on va acheter, c'est la Kuda qui se situe juste ici. Avec l'arme de départ. Donc les amis, n'ayez pas peur, vous ne perdrez pas vos points, vous ne perdrez pas, enfin, vous ne perdrez pas vos niveaux, vous perdrez rien sauf le Gobblegum si jamais vous relancez pas le jeu ou qu'il n'y ait pas une déconnexion internet. D'accord? Donc là, regardez, on va se faire des points jusqu'à 1250 points. Enfin, l'arme, je répète, elle coûte 1250, la Kuda. N'hésitez vraiment pas à liker les amis, ça me ferait vraiment sincèrement plaisir. Au passage, on est bientôt les 800 abonnés sur cette chaîne. Merci à vous les gars, vous gérez de fou. Là, on peut mettre une rafale dans la tête, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est tuer des zombies, faire en sorte qu'on ait assez de points. Une fois qu'on a tué le zombie, les amis, on va chercher l'arme avec prise murale. Important, prenez le 1911 de Shinonuma, c'est l'arme du début, et vous l'échangez contre la Kuda. Les amis, regardez, quand je cours, si vous avez fait les glitches comme moi, l'arme elle est glitchée, c'est normal, vous faites triangle tout simplement. Alors si jamais vous ne la voyez pas dans vos mains comme ceci, c'est normal. Donc là j'ai refait triangle pour revenir sur le RK5. Les amis, on est manche 4, j'ai l'arme qui est glitchée. Il nous faut maintenant un piège fatal. Sachant que le piège fatal spawn aléatoirement, je vous accélère et on se retrouve dès que j'ai le piège fatal. Voilà, une fois qu'on a la machine de mort, les amis, on fait triangle, on lance une grenade pour faire apparaître l'arme glitchée, et là on va tout simplement sur la machine de mort. Une fois qu'on est comme ceci, les amis, on va tout simplement attendre que la machine de mort disparaisse et on va se mettre à l'endroit que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire sous le spawn. N'ouvrez surtout pas cette porte, et on va se mettre accroupi, et là on va tirer comme ceci. On va attendre que la machine de mort, si vous avez réussi comme moi le glitch, les amis. Donc là, j'ai même pas besoin de vous accélérer, d'accord? C'était assez long de trouver quand même
une machine de... Enfin, un piège fatal par terre. Donc là, regardez, vous allez vous dire, ouais, t'as la Kuda, mais si je tire, les amis, regardez, ça fait la machine de mort en illimité. Et tout simplement, la Kuda, pourquoi je vous ai mis de vous mettre allongé, assis? Parce que tout simplement, les chiens, sinon, si vous mettez pas comme je suis accroupi, et bien tout simplement, vont venir, mais vous allez pas les tuer. Donc là, les zombies, si vous avez bien fait comme moi, les zombies vont spawn juste en face de vous. Et là, vous êtes totalement invincible contre tous les zombies, les amis. C'était un glitch pour la machine de mort en illimité. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse. C'était Wayuzarten. Et ciao tout le monde.